Bonjour tout le monde, bonjour mes abonnés. Aujourd'hui, on va faire couper un rideau de salon. On va le couper ensemble, on va le mesurer. Tout d'abord, le rideau de la fenêtre du salon, il fait 1 plus 68 cm. 8 centi, 8, 60 centi, 68 cm, 1 plus. Un plus de la longueur de la fenêtre. Ça, c'est un plus. Voilà. Moi, qu'est-ce que je fais? J'ai pris la longueur ici. Je mets une épingle. Comme ça se voit. Et là, j'ai mesuré, j'ai laissé la longueur, la vraie longueur de 68 cm. Donc moi, j'ai laissé 63 cm. J'ai laissé 5 cm pour la couture. Voilà, ça c'est pour la couture. Ça c'est pour la couture. Donc, et j'ai mesuré j'ai fait partout 63 cm jusqu'au bout. Et j'ai marqué avec la craie. J'ai marqué avec la craie. Et là, je vais le couper. Je vais le couper. Là, comme j'ai dit, j'ai laissé 5 cm pour la couture, pour l'ourlet. Et là, je coupe. Là, je le mets tous les deux. Il y a deux côtés de fenêtre. Donc, il y a deux côtés. Je mets tous les deux. J'ai bien pris les deux en même temps. Et là, par en bas, je mets les épingles. Je mets les épingles par en bas. Comme ça, il reste la même longueur. Alors, on va couper. Et voilà. Là, on met notre rideau. Il devient droit. Il n'y aura pas de trucs qui dépassent. Et là, l'ourlet, il vient comme ça. Il va devenir comme ça. D'accord? Voilà, c'est ça pour couper un rideau. Et c'est ça le reste. Et c'est ça les épingles que j'ai trapées, toute la longueur. Je mets les rideaux, je mets tous les deux rideaux ensemble. J'ai bien mesuré. Et j'ai attrapé
avec les épingles, comme ça il s'échappe pas. Et voilà, c'est ça la meilleure méthode de faire un rideau. Soit un rideau de tissu, soit un rideau de satin, soit un rideau un gros tissu. C'est ça la meilleure méthode de le faire. Voilà les rideaux d'aujourd'hui. Voilà, le vidéo d'aujourd'hui est fini. Si vous avez une question, si vous avez quelque chose qui vous gêne, alors envoyez-moi un commentaire. Je vous dis merci, à bientôt.